Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas une seule seconde en privé. Vous avez les liens et tout ce qu'il vous faut pour prendre un rendez-vous. Donc, je vous attends. Donc, pas de souci, hein, deux modes, 30 euros les 30 minutes ou 60 euros et c'est un peu plus d'une heure. Donc, sachez-le, Skype, téléphone possible. Même si vous habitez de l'étranger, on se débrouille. Vive Skype pour l'étranger. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, les soins Laoshi et l'initiation au Laoshi, on y va. Hein, ça y est, les sessions sont ouvertes pour le mois d'avril pour les initiations au Laoshi. Donc, n'hésitez pas à me donner vos dates pour le mois d'avril et même les valider afin que comme ça, vous ayez la date que vous souhaitez. Donc, il n'y aura pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que le live de hier s'est bien déroulé, que ça vous a plu. Alors, c'est vrai qu'il va falloir, a priori, je flique un peu. Hein, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, déjà, un petit mot de respect. Bonjour, bonsoir, coucou, peu m'importe. Hein, s'il vous plaît, merci. C'est un petit peu le béaba. Voilà, je ne suis pas un chien galeux. Je ne suis pas le rasta du coin. Je sais pas, un minimum de respect. Et même le chien ou le chat, moi, je lui dis bonjour et je lui dis merci, pardon, s'il te plaît. Donc, voilà. Et encore, je respecte encore plus, comme je disais, le rasta du coin parce que c'est quelqu'un qui doit se respecter. Donc, si vous ne me respectez pas, comment voulez-vous déjà vous respecter? Et donc, effectivement, comment voulez-vous ou trouver l'amour ou effectivement quelque chose se débloque? Ça, c'est le béaba. Je suis désolée de vouloir le dire, mais c'est hyper important. Le respect commence par celui de l'autre. Donc, respecter les autres et ce sera important. Ça voudrait dire que vous ne vous respectez pas vous-même. C'est ça qui est, je trouve, dommage. Premier point. Deuxième point. Quand vous posez une question, surtout que je vous ai expliqué qu'effectivement, je vous le fais à la suite. C'est-à-dire, je choisis pas quelqu'un, je le fais à la suite. Je suis vraiment tout le monde. Donc, mettez votre question la plus précise possible parce que quelque chose de vague, ça ne me parle pas. Une consultation en privé, ok. Des questions d'ordre, est-ce que je vais avoir la garde de mes enfants? Ça, c'est d'ordre privé. Ce n'est pas sur un chat. Vous voyez, il y a des choses, ce n'est pas possible. Ça me paraît un petit peu normal. Déjà, parce que sur une simple question, je ne peux pas dire oui, non. C'est un travail, etc. Donc, je fais le plus rapidement possible. Je ne sais pas à combien de personnes j'ai répondu, mais je pense que j'ai quand même répondu à pas mal de personnes. Donc, voilà. Essayez, voilà. Et en fait, je trouve ça dommage. Vous posez une question, vous remettez la question. Alors, quand j'ai une bonne mémoire, ça va. Et puis, quand j'ai là-haut, qu'on me dit non, on te l'a déjà. Mais je trouve ça dommage. Vous prenez la place de quelqu'un. Vous empêchez à quelqu'un de poser lui aussi une question. Voilà, c'est juste ça. Donc, pour les prochains chats, que j'hésite maintenant quand même à faire. Hein, donc, voilà. S'il y a un jour un autre chat, eh bien, écoutez, j'espère que ça, ce sera respecté. C'est pas pour moi. C'est aussi surtout pour vous. Hein, je vous le rappelle. Cette petite anecdote étant passée, nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mars, c'est la Sainte Clémence, donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les Clémences, que ce soit une journée waouh! Aujourd'hui c'est également la pleine lune, donc elle va secouer dans les torchons, youhou! Ça va être au taquet! J'aime bien quand on me secoue, voilà ça au moins c'est fait, allez check! Et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée du 21 mars. On se rapproche lentement, mais sûrement également du mois d'avril. Donc, écoutez, on va dire que les choses arrivent vite. Parce que quand on regarde bien le mois d'avril, c'est demain. Et on repart pour encore un mois. Donc, c'est quand même extraordinaire. Le printemps est là. Le nouvel âge est là. Éveille-toi de ta somnolence et contemple la merveille du temps présent, car tu vis une époque vraiment merveilleuse. Vois le meilleur en tout et en tout événement. Attends-toi à des changements et va dans leur sens. Ne permets à rien en toi de les arrêter. Ne crains jamais le nouveau, l'inconnu, mais risque-toi sans peur, sachant que je suis avec toi toujours et que je ne te laisserai jamais ni te t'abandonnerai jamais. Reconnais-moi en tout et rends-moi l'honneur et la gloire. Sache que c'est dans l'âge d'or que tu es en train de passer. Alors ne t'inquiète pas et ne lutte pas contre les changements qui apparaissent. L'heure la plus sombre vient avant l'aurore splendide. L'aurore est là, elle vient en son heure juste et rien ne peut l'empêcher d'arriver. La totalité de l'univers fonctionne dans ce rythme parfait. Alors, pourquoi pas toi? Eh ouais, pourquoi pas, franchement. Non mais franchement, pourquoi? Pourquoi pas? Moi, c'est ça, c'est ce que je dis. Pourquoi pas moi? Allez, on y va. Qu'est-ce que nous annonce? Ah, ben regardez. Après une période d'incertitude, après une période de on va dire, de tristesse peut-être, une période d'extrême solitude,
Eh bien, on est en train de travailler, hein. Pourquoi? Pour le grand bonheur, le vrai, l'unique. Donc, c'est une journée, on va dire, où on peut dire que même si vous vous sentez seul, accablé, etc., que ce soit dans le travail ou par rapport au travail que vous faites, eh bien, on m'annonce le grand bonheur. Alors, ça peut aussi être une jolie rencontre si vous êtes célibataire dans votre domaine professionnel. Ouvrez les yeux. Eh oui, ça peut annoncer plein de belles choses. En tous les cas, je dirais que c'est une journée au taquet. Donc, ouvrez bien les yeux, c'est une belle journée qui s'annonce. Ah, j'aime les belles journées. Franchement. Alors, bah, écoutez, là, on parle de longévité. Ça veut dire que on est sur quelque chose où on se sent en pleine forme, en pleine santé, malgré les tourments, malgré le fait que, effectivement, vous êtes, on va dire, comment je pourrais expliquer, un petit peu secoué à droite, à gauche, on voit la célébrité, la reconnaissance, comme si vous alliez enfin réaliser votre rêve. Alors, la seule personne qui bloque, bah, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Parce que vous avez peur d'y aller. Voilà, c'est comme ça que je vais vous dire, vous avez peur d'y aller. Alors, vous faites des petits pas, mais allez-y, foncez. Foncez, c'est le bon moment. Quoi que vous fassiez, c'est le bon moment. Donc, j'ai envie de vous dire que arrêtez d'avoir peur, arrêtez de procrastiner, arrêtez de reculer, alors que regardez, on vous dit grand bonheur. Alors, hey, je peux même le faire comme ça. Regardez. Voilà. Grand, grand bonheur. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire action-réaction. Voilà. Grand bonheur, action-réaction. On y va, on fonce. Alors, les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Regardez comme elle est belle. Alors, ça, c'est pour tous ceux et celles qui sont ouverts. Alors, je vais vous lire quand même. Alors, les ailes d'Isis, il faut que je la retrouve, hein, ma petite Isis. Alors, les ailes d'Isis, les ailes d'Isis, elle est où? Les ailes d'Isis, mon Dieu. Ah, bah, c'est la dernière, 208. 208. 208. Voici le message. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques. Absence de peur, compassion, sens du service. C'est bizarre, je crois qu'on l'a déjà, sorti pour vous. Hein. Donc, vous voyez. Et en fait, ça va bien avec ça, hein, je trouve. Hein. Voilà. Au sein de la culture humaine, cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. Voilà. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas à leur place. Alors, eh ben, dis donc, encore les mêmes. Eh bien, le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Eh bien, quand on a des cartes à répétition comme ça sur 2 jours, surtout que je les pige au hasard quand même, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment le message qu'il est temps de sortir d'une certaine torpeur, pour certains d'entre vous, hein, puisque ça reste un tirage général. Alors, pour l'amour, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, c'est ce que je disais hier, il y avait beaucoup de gens qui me posaient la question, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas est-ce qu'il va revenir. Sachez bien que, au lieu de poser la question, est-ce qu'il va revenir? L'univers, j'aurais tendance à dire, ça serait plutôt du style, on n'attend personne. Si c'est la bonne personne, il reviendra. Si ce n'est pas la bonne personne, il ne reviendra pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se mettre en stand-by ou se mettre entre parenthèses. On continue notre chemin. On continue notre chemin. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans. Si vous vous souvenez de très belles histoires qui se sont passées souvent pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gens qui se sont rencontrés. Il y a eu un coup de foudre. Il s'est des fois même rien passé, mais ils savaient que c'était cette personne-là. Leurs chemins se sont séparés et ils se retrouvent 20, 30 ans, 40 ans plus tard, divorcés, prêts à vivre leur histoire d'amour. Et bien souvent, ils le disent eux-mêmes, à l'époque, nous n'aurions pas été prêts. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment ça. Donc si peut-être cette personne, c'est la bonne, c'est peut-être pas le bon moment. Mais vous allez, si c'est la bonne, vous allez la retrouver sur votre chemin. Voilà, si ça peut vous aider pour certains d'entre vous, pour comprendre votre cheminement. Eh bien, ça peut être un bon moyen. Alors, avec Aola, on va bien voir. C'est bien ce que tu sois là. Donc, c'est vraiment le message. Allez, on va regarder. Quel est le message pour vous tous? Hop, eh bien, pull la prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée, pour toutes les bénédictions que tu donnes. Donc, en fait, ça va être une excellente journée pour une bonne partie d'entre vous. Donc, profitez-en.
Accueillez-la avec beaucoup d'amour et de compassion. Et vous allez voir, je pense que ça va être une journée placée sous le soleil. Écoutez, je vous aime tous très, très, très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Je vous souhaite encore plus que le meilleur. Vous êtes des êtres illimités. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Juste, il faut avoir la foi et y croire. Alors, pourquoi pas vous? Je vous embrasse tous, tous très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.